J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui... On doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant!
Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hey, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les Trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouwaka. Allons-y. Secouer. C'est par quoi sauter? C'est leur
Jonah, t'es là? Merde. Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis là-haut. Ce sera pas long. Attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. 6 semaines. Et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des trinitaires. J'ai parlé à des gens en ville. Et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Lara! Oh,
Mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Lara ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Lara ! Non, j'ai besoin de ça ! Allez ! Tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonard. Eh, ça te dit de souffler un peu ? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons, y va. Hé, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Les Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez ? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais.
le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut, Sammy. Comment ça va? Merci, Thomas. Cette nourriture, ça me donne faim. T'aurais dû manger un morceau. J'étais trop impatiente. Comme toujours. Où il est passé? Continuons à chercher. Non mais tu te rends compte? On l'a pris en train de boire les ofrendas. Oh là. Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Inutile de punir. Il est déjà bien puni par la tequila. Regarde, c'est pour mon père. Je pourrais en allumer un pour ma mère. J'aime pas vraiment la foule. Tu préfères les gardes tempêtes ou les immortels? Non, je survivrai. Jonah, il arrive à la porte. Je vois. Bien. Ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Hé, les gars, comment ça va? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Jonah, j'y suis. Ok. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Pardon, excusez-moi. Personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. Pardon. Jonah, Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Il faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Disculpe, señorita. C'est moi. Quelqu'un a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. Docteur, son muchos de sus hombres. N'est jamais trop prudent. Vous êtes bien aimable. Merci. On va y aller. Oui. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche, d'une vingtaine d'années. C'est compris? Bien. Alors? Ils la trouveront. Bien.
Hors de question que qui que ce soit rentre ici. Hé hey, sortez de mon bureau. Pardon? Fermez la porte derrière vous. Ok. Lo siento. Ne t'en fais pas. Vas-y, la jouer. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Une pyramide maya, à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Non, non, pitié. Ça sert à rien. Allez, dépêche-toi. Dernière pensée. Stop, attendez, je représente le gouvernement. J'ai le droit de... Et maintenant, monsieur l'archéologue en chef, on vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non. J'ai de l'argent. Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires? Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Ici le commandant Rourke. À toutes les équipes. Préparez-vous pour l'opération Nuit Noire. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là, c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bon, il faut bien que je descende.
Oh!